banda na kebo yo kiti o kiti o kiti banda na kebo na monio. Je veux servir Jésus dans ma vie. Oui, dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Je veux servir Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Alléluia, oui, dans mon cœur, mon cœur. Je veux Jésus, rema de mes pieds, alléluia, oui, de mes pieds, je veux suivre Jésus, qui de mes mains, alléluia, oui, de mes mains, je veux toucher Jésus de mes mains. Vraiment, premièrement, nous présentons nos excuses. Nous commençons aujourd'hui en retard. Mais nous l'avons compris. Hier, nous avons terminé en grand retard. Oh, moi, je suis allé au lit à 2h du matin. Parce qu'on était au lit de ce que tout le monde est parti. Alors, j'ai fait l'effort de me réveiller avant. I tried to wake up so early this morning, ça n'a pas tenu. But it wasn't. C'est pourquoi aujourd'hui, today, on va respecter notre programme. To try to respect à 21h, ça sera la fin de la dernière prédication. So at 9 p.m. then will be the last. Et nous aurons maintenant le temps de rentrer à la maison. Then we will have time to go back home. Même nos bien-aimés qui sont venus de l'Europe. Even the brothers that came from Europe. On leur faut, on est fatigués. Il vient juste de se réveiller. Alors je crois qu'ils vont aussi arriver ici. Bon, j'aimerais dire une chose. Comme tous, nous sommes des ministres. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Le temps d'obéir aux hommes est déjà révolu. So the time to obey to the people is finished. Ce n'est pas d'obéir seulement à la parole. This is the time to abide by the word of God. Dans ce temps, Dieu nous a envoyé un prophète. At this time, the God has sent us a prophet. Avec un message clair. With a clear message. Il n'y a rien à rejeter. There is nothing to be rejected. Il n'y a rien à ajouter. Nothing to be pour chaque cas. Le prophète nous a montré comment faire. Il n'y a pas un cas qui est resté un peu comme ça, et nous pouvons mettre nos propres pensées pour aider Dieu. Non. Comme ce cadre que nous sommes ici dans ce cadre, ce cadre ici, le prophète dit tout le monde connaît sa prédication. Il faut que ce soit un doyen. Should be an elder qui doit conduire cette réunion. To lead the meeting. Donc c'est simple. It is simple. Même si c'est un doyen, là, c'est un homme qui est au village. Even though, so that elder, il n'est pas connu de nous tous. Known from mais si je suis ici, moi j'ai écrit le message en 1970. But if he comes here, say that, I believe automatiquement, quoi qu'il n'est pas connu, even though he's not known. C'est lui qui montera ici pour diriger. To lead. Même s'il parle à Kikongo à l'État. Even though he's speaking in Kikongo, il y a l'État. Oh, mon Kutuba, mon c'est lui. He is the one. C'est ça le message du temps de la fin. This is the end time message. Mais néanmoins, comme c'est nous qui avons eu l'inspiration. Nevertheless, because we got inspiration. Il faut que j'explique ça to pour que l'ancien qui viendra, so that il saura comment aussi s'en sortir. Nous sommes essentiellement dans le vide. Le sujet est tellement vaste. So the subject is so open. Donc la première chose c'est que the first thing is that je fais un constat. So I've noticed
dans la prédication, in the preaching, un absolu, so absolute, prêché le 4 mars 1963, preached on the 4th of March 16, à Houston, 63 in Houston. Frère Branham est allé, vous savez l'histoire, so you know the story, brother pour aider un enfant qui devait être électrocuté. Went to help the child. Vous devez le mettre dans la chaise électrique. It should be put on the electrical chair. Alors son père, his father, c'est celui qui a pris la photo ici que vous voyez ici. He's the one who took this picture that you can see. Qui permet, c'est ça, qui permet. Qui... Bon, moi je prononce ça en français, mais en anglais je ne sais pas comment on peut faire dire ça. Qui permet. Qui permet. Ok. C'est lui, cet homme-là. So he is the man. Il était contre frère Branham. He was against brother Branham. Il était du côté de Monsieur Best. He was on the side of Mr. Best. Il avait pris cette photo, comme vous connaissez l'histoire. He took the pictures, you know the story. Le 24 janvier 1950. The 24th of January 64. Alors les 6 photos six étaient brûlées. So all was burned. Les 6 premières photos. So all the 6 first pictures were burned up. Et ça restait seulement ça. It only remained this. Parce que dans ces autres photos là, because in other pictures, lui, Mr. Best, Mr. Best, il a dénigré Frère Bosworth. So he actually denigrated Brother Bosworth. Il a son point. So he took his point. Il met comme ça. So he put it on the photo. See, take the picture. Le saint homme Bosworth était calme. And then Brother Bosworth remained calm. Il a fait de mauvaises choses. So he did so wrong things. Donc cela menait tout. When they took all the pictures, au laboratoire, les 6 premières photos, all the first 6 pictures were burned up. Ça restait seulement ça. Only remained this one. Alors, frère Branham dit, ne venez pas me donner ça. And brother Branham said, vous-même amenez ça. Bring it yourself. À FBI. To FBI. Ils puissent vérifier. They may check in the et ils ont fait ça. And they did it. Ils ont déclaré. And they declared. C'est réellement une présence surnaturelle. Frère Branham sait que cet homme ne l'aime pas. And Brother Branham knows that this person does not. Mais il a appelé Frère Branham. But he called Brother Branham. C'est la prédication d'hier. So it was the preaching of Frère Branham a aussi comme Abraham. And Brother Branham, son ennemi, qui est contre lui. Il dit, mais Frère Branham, Brother Branham, mon enfant, my child, le 5 mars, on the 5th of March, on va l'électriciter. On va la mettre dans la chaise électrique. Be put on the electrical chair. Ils se sont bagarrés quelque part. So they put somewhere. Lui et sa copine. Him and the girlfriend. Ils ont tué quelqu'un. And they kill someone. Alors on dit on doit tuer l'homme là. And then they say they have to kill the person. Frère Branham est venu. And Brother Branham. Prêcher la prédication. Preaching. En absolu. In absolute. Et avant que la prédication termine, la colonne de feu est descendue. And then before the end of the preaching, the pillar of fire came down. La colonne de feu a parlé à Frère Branham. And the pillar of fire stopped. Frère Branham dit fini. And then he speaks. On ne va pas tuer ton enfant. So he did not gonna kill your child. Il ne passera pas dans la chaise électrique. He will not go through the electrical chair. Lorsque Frère Branham a terminé ça, and then Brother Branham finished. Alors, il y avait un groupe de gens qui sont venus. So a group of people came. Ils lui ont donné un papier. And they gave him a paper. Oscar. Oscar. I mean, pour sauver la vie. They gave him an award for saving a life. C'est ça là, le but de cette réunion. This is the goal of this meeting. Dans nos assemblées, in our churches, les enfants sont en train de mourir. Children are dying. Par manque de baptême du Saint-Esprit. By lack of glory. Nous sommes venus ici tous ensemble. We are here together. Pour que Dieu puisse nous aider. For God to help us. À sauver ces enfants-là. Save those qui ne meurent pas. They may not die. Pour que Dieu nous donne aussi un Oscar. For that God to give us sauver des vies. To save lives. Alors maintenant, la raison de cette réunion, so, the goal of this meeting, comme les anciens ont l'expérience, as the elders have alors, nous voulons qu'ils puissent nous donner un schéma. So we want them to give us guidelines. Oye, bango, oye, bade, knowing or not, ça, alors, oye, bide. Do as if you don't comment know. On peut vraiment amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. How to bring someone to the baptism of the Holy Ghost. Beaucoup d'entre nous sont devenus des missionnaires. Most of us, nous we parlons don't, de ça we talk about théoriquement, it, mais pratiquement comme ça, prendre quelqu'un, amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit, parfois nous avons jamais fait ça. Maybe, on peut se demander, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais prenez quelqu'un comme ça. But to take someone, A, B, C, D, pour baptiser le Saint-Esprit. To be baptized dans ce message. In this message. So pourquoi? Donc, c'est une expérience. Et nous montre ça. Who has got experience? To help us.
Et il avait dit, demain, on va prier pour le Saint-Esprit, pour nous les prédicateurs. Même quand on va tirer à ma peau. Tomorrow, they're going to pray for the Holy Ghost, even myself. They're going to lay hand on me. So we don't have to be ashamed. If you have it, you lost nothing. You do not have it, you gain something. Donc, c'est ça, vraiment, le but. This is the goal of our meetings. C'est ça. This is the goal. C'est la doctrine par excellence. This is the doctrine by excellence. Avant que j'appelle l'ancien Kalungu, before I call the elder Kalungu, je voulais lire seulement une citation. I'd like to read a quote of Brother Brown. Only one. Dans la prédication, tous nous avons ça. So in the preaching, we all have this preaching. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Why the Holy Ghost has been given? For, yeah. Prêcher le 17 décembre. Paragraph 57. So, on Sunday, we're going to make together what we're going to get from here, and then we can take it to other churches. Okay, if it doesn't the prophet did. Listen what the prophet said. Oh, my dear friend from Iran, this country. Oh, mes chers amis, vous qui venez dans ce pays. In this little city, et aussi dans cette petite ville. If I could only with my human voice, si je pouvais avec ma voix humaine, place into your heart, et mettre dans vos cœurs, the importance of receiving the baptism of the Holy Ghost, l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, I would be the most wonderful revelation that you ever had in your life to see. Et cela sera la merveilleuse révélation que vous n'ayez jamais reçue dans votre vie. Ah, you must do it. Vous devez le faire. Vous devez recevoir cette. Vous devez le recevoir. Obligation. Cette obligation. Let me make that clear about you not converting. Et laissez-moi rendre cela clair à propos de vous convertis. Vous n'êtes pas converti. Peter had been saved. Et Pierre a été sauvé. He believed on the Lord. Il a crié au Seigneur. Followed him. Et les suivants. Les suivaient. Jesus told him who he was. Et Jésus a dit qui il était. Had him to follow him. Et puis de les suivre. He gave him power against unclean spirit. Et il lui a donné la force contre les esprits impurs. Sanctified him. Et l'a sanctifié. But after all of that. Mais après tout cela. And become the chief spoken man of the group. Il est devenu le chef orateur du groupe. As the Catholics would want to call it. Et comme les catholiques voudraient bien le dire, l'appeler. The bishop of the church. Il est l'évêque de l'église. Or the pope. Et le pape. Wherever it was. Et vous voyez ce qu'il était. The head man of the church. La tête de l'église. Yet Jesus said. The night of his betrayal. Jésus a dit dans la nuit de sa trahison. Yeah. Lovest thou me, Peter? Est-ce que vous m'aimez, Pierre? And he said, Lord, you know I love you. Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. He said, feed my sheep. Et il a dit, paie mes brebis. He said that three times. Il l'a répété trois fois. And Peter said. Et Pierre a dit, you know I love you. Et tu sais que je t'aime. Said, I'll go with you to the end. Et j'irai avec toi jusqu'à la fin. I'll go with you to the death. Et j'irai avec toi jusqu'à la mort. And so forth. Et ainsi de suite. He said, il a dit. Before the cock has crowed three times, et avant que les coqs ne chantent trois fois. Before the cock crows,
Avant que les coqs ne chantent, you have denied me three times. Vous m'auriez renié trois fois. He said, Peter, et il a dit, Pierre, Peter, Pierre, I've prayed for you. J'ai prié pour toi. Donc, il a prié avant pour Pierre. Il a prié. C'est pourquoi même si le diable fait quoi, ça ne marchera pas. He prayed before for Listen, Peter. Écoutez, that not all of it. That not all of it. Et ce n'est pas tout. I've prayed for you. Et j'ai prié pour toi. After you are converted, et après que tu sois converti, then strengthen your brethren. Alors fortifie tes frères. After you are converted, après que tu sois converti, he had shout, et il a crié. He had probably danced in the spirit, peut-être qu'il a dansé en esprit. He had done all kind of things, et il a fait toutes sortes de choses. But mais he hadn't received the Holy Ghost yet. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. After you are converted, après que vous soyez converti, then strength your brethren. Alors fortifie tes frères. That's true. C'est vrai. Carry out his plan. Et puis il a continué son plan. So ici, here, tous les dons, all the gifts, ce n'est pas l'épreuve du baptême du Saint-Esprit. It is not the proof of the baptism of the Holy Ghost. What I've read here, all the gifts, is not the proof alors, having of the Holy Ghost. L'ancien, and then we invite the elder to come. Si lui termine, and then if he finish, si vous voyez qu'il y a quelque chose, if, that missing in Akachuana, if you know there is something missing, que tu peux toujours ajouter, that you can pour que ce soit un corps complet, so that it may become vous a complete body. Cela. Then you will add it up. Mais pas toucher, déranger, but not touch and disturb. Add up. Pour que, en sortant d'ici, so that when we go out of here, vraiment un tableau clair, so we may have a clear picture du début jusqu'à la fin. From the beginning up to the end. Au reste, que Dieu vous bénisse. For the rest, may God bless you. Et qu'il vous assiste pendant que nous invitons le pasteur Kalumbu. And he may assist you while we are inviting Pastor Kalumbu. Salut tous au nom du Seigneur Jésus Christ. I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Souvent, les réunions de ministres. Souvent, quand il y a des ministres. Often, when we have ministers' meetings. Il y a un peu d'indifférence. And there is a lot of sometimes differences. Au lieu d'être bouillant comme les enfants de Dieu. To be warm as children of God. Et être gentil. And to be kind. Souvent on raisonne. And most of the time we think. Et parfois c'est ce qui fait que nous manquons beaucoup de choses. And that the reason why sometimes we miss a lot of things. Et nous avons suivi le pasteur Panzu. We followed Pastor Panzu. Dans tout ce qu'il a dit, in all that he said, c'est vraiment un grand sujet. It is really a great subject. Moi-même, je me sens petit. And even myself, I feel very small. De me trouver devant les grands serviteurs de Dieu. To find myself in front of big servants of God. Qui prêche ce message il y a des années. Preaching this gospel for years, qui sont des pasteurs titulaires des églises il y a des années, that are pastors for many years, I mean senior pastors for 7 years, many years, et qui ont prêché sur le baptême du Saint-Esprit des années et des années, and that have preached on the baptism of the Holy Ghost for years, et être devant eux, and then to stand before them. Et parler aussi comment on peut amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. And speak about how to bring someone to the baptism of the Holy Ghost.
Ça me dépasse parce que je ne sais pas ce que je vais dire de nouveau. And actually, it's beyond my mind because I don't know what I'm going to say that can be new. Et c'est pourquoi mon cœur tremble. The way my heart is trembling. Et ce n'est pas le fait d'être ici devant. It is not because of standing here before. Qui fait que je connais plus que vous. May do that I know more than you. Où j'ai fait d'expériences du baptême du Saint-Esprit plus que vous. Or that have done experiences of the Holy Ghost more than you. Mais chaque fois qu'on se réunit, but all the time that we meet together, il doit y avoir toujours quelqu'un qui doit parler. And we must always have someone to talk. Ce quelqu'un-là pouvait être toi. That one can be you. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. It can be someone else. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous. But it makes that today it is me standing here before you. Et en tant que chrétien, and as a Christian, nous croyons aussi selon les Écritures, and we also believe as by the Scriptures, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard. That in the kingdom of God, there is no hazard. Or Dieu nothing happening by chance. Certainement God knew exactly qu'aujourd'hui, that today, je pourrais être devant vous. I would be standing before you. Parce que je n'ai pas provoqué cela. Because I didn't push it myself. Et je ne savais même pas qu'aujourd'hui je pourrais être à Cape Town. I didn't even know that today, this morning, I'll be in Cape Town. Mais Dieu qui le savait. It is God knowing that. A fait que cela soit ainsi. So that it may happen. So. Et avant de dire quoi que ce soit. Before saying anything. Ou avant d'avancer dans notre sujet. Before carry on in our subject. Je vous demanderai de se tenir debout. Just ask you to stand up. Nous allons prier le Seigneur. And we're going to pray the Lord. Et nous allons lire les Écritures. And we will read the Scriptures. Je l'aime. Jésus-Christ notre Dieu. Sur le bois du calvaire, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, par ce qui Jésus-Christ notre Dieu. Oh ma, amen, 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 amen. Jésus. Dieu notre Père céleste. God our heavenly Father. Dieu béni éternellement. Be blessed forever. Maître des cieux et de la terre. The Master of the universe. Nous te sommes reconnaissants ce we matin. We are so grateful unto you this morning. D'être présent au milieu de nous. For being present amongst us. Et de vouloir venir avec nous, Seigneur. And for having wanted to come with conduire. Us to lead us. Car sans toi, for without you, nous ne pouvons rien faire. We can't do anything. Nous avons confiance à ta parole. We trust in your word. Et lorsqu'il y a deux ou trois personnes, two or three people gather in your toi, name, you present. Viens, Seigneur Jésus, come, Lord Jesus, et confirme ta parole, and Seigneur, vindicate your word, O God. Conduis-nous pendant ces quelques instants que nous sommes ici, throughout this moment that we will spend jusqu'à here, la fin, from the beginning up to the end. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Lord. Ôte l'homme qui est devant. Remove the man who's chemin, standing Seigneur, here Dieu, from the way, O God. Et parler à tes enfants, and come and speak to à your people, to your servants, à tes grands hommes, to your great men, qui sont les conducteurs de who are the leaders of your people. Nous te le demandons, Père bien-aimé. We ask that to you, beloved fils, Father, in the name of your Seigneur beloved Jesus Son, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Et restons debout, nous allons lire quelques let's keep écritures. Standing as we are reading a portion of the scripture. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc
24. We'll open our Bibles in Luke 24. Luke 24. Luke 24. Nous commençons au verset 44. From verse 44. Jusqu'au verset 49. To 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms concerning me. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Then opened he their understanding, so that they might understand the Scriptures. Et il leur dit, and he said unto them, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. And you are witnesses of these things. And behold, I sent the promise of my Father upon you, but tarry you in the city of Jerusalem, until you be endued with power from on high. Allons dans Actes chapitre 1. Let's go to Acts chapter 1. Je lis au verset, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. I'll read from verse 4 to verse 8. Actes chapitre 1. Acts chapter 1. Je commence au verset 4. From verse 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. And being assembled together with them, commanded them that they shouldn't depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. And he said unto them, it isn't for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles de notre Seigneur Jésus Christ. May the Lord bless these few words in Jesus Christ's name. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated.
Comme le pasteur Panzu l'a dit, as Pastor Panzu said earlier, ne sommes pas réunis ici, we're not gathered here, au nom d'une église, in the name of a church, au nom d'une doctrine, in the name of a doctrine, ou au nom d'un homme, or in the name of a man. S'il y a un homme, if there is a man, au nom de qui nous sommes réunis ici, in whose name we are gathered here, c'est le Seigneur Jésus Christ. It's the Lord Jesus Christ. Ainsi, ce n'est pas une prédication. Therefore, it's not a sermon. C'est un entretien. It's just an interview. Parce que nous connaissons tous. Because we all are aware. Beaucoup de choses. Of many things. Au sujet du Saint-Esprit. Concerning the Holy Ghost. Alors, nous voulons nous interpeller tout simplement. And we want just to come to ourselves. Nous voulons nous entretenir autour de ça. And talk around that. Et nous rappeler and remind ourselves these two things that we know about. Ça fait un peu plus de 50 ans. It's been more than 50 years que Dieu a repris son serviteur. That God has taken his servant home. Le messager de cet âge. The messenger of this age. William Marion Branham. William Marion Branham. Et le message est arrivé dans beaucoup de pays. And the message has reached many countries. Comme nous le savons. As we know of it. Et ce message est arrivé jusque ici en Afrique. And this message has come even here to Africa. Nous avons cru à ce message. And we've believed to the message. Et nous prêchons ce message. And we're preaching that message. Ça fait des années. It's been years. Et c'est vraiment pertinent. And it's really pertinent que nous puissions nous humilier devant la parole de Dieu. That we might humble ourselves before the word of God. Parce que nous connaissons ce que c'est qu'un chrétien. Because we know what a Christian means. On ne peut pas nous enseigner. We can't be taught. Qu'est-ce qu'un chrétien? About the meaning of a Christian. Parce que il y a eu déjà un chrétien avant nous. Because there has been a Christian before us. Et on l'a décrit dans la Bible. And it's described in the Bible. Il y a eu un Christ. There has been a Christ. Qui a vécu dans ce monde. Who lived in this world. Et sa vie est décrite dans la Bible. And his life is described in the Bible. Il y a tout simplement à prendre sa vie. And you just need to take his life. La mettre devant nous. And place it in front of you. Lui qui avait le Saint-Esprit. And he who had the Holy Ghost. Et comparer cela à ma vie. And compare it to my life. Pour voir si la vie qui était en lui. To seeing whether the life which was in est en moi. Is in me as well. Ça ne demande pas une doctrine ou un enseignement. It doesn't take a doctrine or a teaching. La vie de Christ est là. Christ's life is actually there. La vie des apôtres qui ont prêché avant nous est là. And the life of the apostles who preached before us is there. Et ta vie, ma vie sont là. And your life and my life are there as well. C'est pourquoi, mes bien-aimés, therefore, my beloved, dans cette réunion des ministres, in this ministerial meeting, ça demande vraiment de l'humilité, it really requires humility, de la sincérité, sincerity, et de l'honnêteté, and honesty, pour chacun de nous, from each one of us. Je considère cette convention, I consider this convention comme quelque chose de très important pour moi. As a very crucial thing for me. Comme je l'ai dit, as I said earlier, on a parlé des jubilés quand on est arrivé à la date de la mort de Frère Branham. We spoke about jubilee when we got to the anniversary of Brother Branham's death. 50 ans. 50 years. Et c'est 50 ans après. And 50 years later. Pour moi, c'est la première convention. For me, it's the first convention. Qui a réuni des ministres de différents pays. Which has gathered ministers from different countries. Même si tous les ministres ne sont pas venus. Even though all the ministers haven't shown up. Mais il y a quand même un échantillon ici. But we've got a sample here. Pour que nous puissions revenir sur le message, so that we may come back to the message que nous avons prêché pendant 40 ans, which we've been preaching for 40 years, ou plus, or even more,
voir ce que ce message a produit. And see the outcome of that message. Si nous pouvons être vraiment humbles, sincères, if we could really be humble and sincere, débarrassés de nos sentiments, and get rid of our own feelings, personal feelings, égoïstes, selfish feelings, de nos propres pensées, from our own thoughts, et laisser la pensée de Christ, and let Christ's thought nous parler, speak to us. Nous parlons de comment on peut amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. We're talking about how to get somebody to the baptism of the Holy Ghost. C'est vrai parce qu'on a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. It's true because we've preached on the baptism of the Holy Ghost. Mais la première chose à laquelle je voudrais vous amener, but the very first thing to which I'd like to bring you, c'est à la personne de Jésus-Christ d'abord. It's the person of Jesus Christ first. Comment on l'a amené au baptême du Saint-Esprit? How was he brought to the baptism of the Holy Ghost? Qu'est-ce que Caïphe a fait pour l'amener au baptême What du Saint-Esprit? What did Caiaphas do to bring him to the baptism of the Holy Qui Ghost? Qui l'a amené au baptême du Saint-Esprit? Who brought him to the baptism of the Holy Spirit? Dans quelle école il est entré? Which school did he attend? Quel était le pasteur qui l'a amené au baptême And du Saint-Esprit? And which was the pastor who brought him to the baptism of the Holy Ghost? Mais nous trouvons que Jésus But we find out that Jesus était la parole. Was the very word. Il était lui-même la parole. He was himself the word. Et Dieu a confirmé qu'il était la parole. And God vindicated that he was the la word. Parole qui était faite chair. And the word which was made flesh. La parole qui s'accomplissait. And the word being accomplished. Et Dieu a confirmé ça. And God vindicated it. Et Jean a vu cela. And John saw that. Et il a dit que c'est lui. And he said, it's qui him. Était l'agneau de Dieu. Behold the Lamb of God. Qui ôte le péché du monde. That takes away the sin of the world. Le jour de Pentecôte. On the day of Pentecost. La Bible dit. The Bible declares. Pierre a pris la parole. That Peter took the word. Il a prêché la parole. And he preached the word. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit. And people received the Holy Ghost. Qu'est-ce qu'on a fait pour les amener au baptême du Saint-Esprit? What did they do to get them to the baptism of the Holy Ghost? Quels sont les enseignements qu'on leur a donnés? Which were the teachings they were taught about? Pour les amener au Saint-Esprit. To be brought to the baptism of the Holy Ghost. Et il est écrit aussi. And it's also written. Dans la maison de Corneille, that in Cornelius' house, on avait appelé Pierre. Peter was called. Pierre est venu. And he came. Il s'est mis debout. He stood up. Il a commencé à prêcher. And he started bringing the word forth. À montrer qui est Jésus-Christ. Showing who Jesus Christ was. Qui a été promis qu'il viendrait. Who was promised to come. Et le Saint-Esprit and the Holy Ghost est descendu sur les gens qui l'écoutaient. Descended on the people who were listening to him. Qu'est-ce qu'on a fait pour les amener au baptême du Saint-Esprit? What did they do to get them to the baptism of the Holy Ghost? Ils ont fait combien de jeûnes? How many fasts did they have? Combien de veillées ils ont fait? How many vigils did they have? Combien de semaines d'enseignement sur le Saint-Esprit qu'ils ont How many weeks of teachings on the baptism of the Holy Ghost did they have? Et dans Actes chapitre 19. And in Acts chapter 19, Paul a rencontré les Éphésiens. Paul met with Ephesians. Il leur a posé la question. And he asked them a question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Ghost? Depuis que vous avez cru? Since you believed. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler they du Saint-Esprit. Said, we have not even heard about the Holy Ghost. Paul les a exhortés. And Paul exhorted them. Et la Bible dit. And the Bible says. Ils ont accepté d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepted to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Et après. And afterwards. Il leur a imposé les mains. He laid his hands et ils upon ont reçu them, le Saint-Esprit. And they received the Holy Ghost. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ce que je viens de poser comme what question? What am I about to say on whatever I've said earlier? En tant que serviteur de Dieu. Being servants of God. Prédicateurs, ministers, pasteurs, hommes de Dieu, men of God, je voudrais que nous ne puissions pas oublier I don't want us to forget que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. That the Holy Ghost is not for everybody. Le Saint-Esprit est uniquement the Holy Ghost is only pour les semences de Dieu. For God's seeds.
qui était dans la pensée de Dieu, which were in God's mind, avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Qu'est-ce que nous voulons dire? What are we to say? Que ce n'est pas vraiment à cause des enseignements, des instructions, de ceci, qu'on peut amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. That it's not because of instructions or teachings that you can bring some people to receive the Holy Ghost. La base d'abord, the very basis, que l'homme, is that the man, que tu veux instruire, that you want to teach, pour l'amener au baptême du Saint-Esprit, or to bring to the baptism of the Holy Ghost, et la semence de Dieu en lui, may have God's seed within him. Ça c'est la première chose. And this is the first thing. 50 ans depuis que le prophète est parti. 50 years after the departure of the prophet. Peut-être nous avons poussé les gens. Perhaps we have pushed people à recevoir le Saint-Esprit. To receive the Holy Ghost. Nous avons fait des lignes de prière. We have organized prayer lines. Que les gens aient le Saint-Esprit. For people to receive the Holy Ghost. Nous avons jeûné, nous avons fait ceci. We fasted, we did this and the other. Mais soyons vraiment humbles. But let's really be humble. Voyons les résultats que nous avons obtenus. Let's check the results we have obtained. Après tout ce que nous avons fait. After having done all that we have done. Nous avons prié pour les baptêmes. We've prayed for the baptism. Des années et des années. Years after years. Est-ce que nous avons obtenu le résultat qu'il faut? Have we really received the expected outcome? Pour des personnes qui ont le, qui devaient avoir le Saint-Esprit. For the people who are supposed to have the Holy Ghost. C'est nous qui sommes les responsables. We are responsible. Et nous pouvons même pointer que telle personne a le Saint-Esprit. And we can even point that such a person has got the Holy Ghost. C'est pourquoi mes bien-aimés. Therefore, my beloved. Nous avons une grande responsabilité. We've got a huge responsibility pour ces problèmes du baptême du Saint-Esprit. Concerning this topic of the baptism of the Holy Ghost. Parfois nous voyons les gens, perhaps we see people qui sont apparemment des bons chrétiens, who are outwardly good Christians. Mais quand il y a des circonstances, but when circumstances des situations arise, qui arrivent, situation ils arrive, manifestent ce qui est de nature. They manifest their nature. Mais on ne peut même pas réfléchir. And we can't even reason pour voir que ces gens ont le Saint-Esprit, to see whether those people have got the Holy Ghost ou ils l'ont pas, or not. Mais on attend quand ils se retrouvent, but we wait until they come back to their senses, et que quelque chose est arrivé, and something happens, le calme est arrivé, and they cool down. Alors il revient maintenant quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, and then they look like somebody who has received the Holy Ghost. Ah, maintenant nous devons réfléchir. And now we need to think, selon les Écritures, according to the scriptures, que le Saint-Esprit, that the Holy Ghost, c'est Christ, is Christ. C'est une vie. It's a life. Et une vie, and a life, qui ne dépend pas des circonstances. Doesn't depend on circumstances. Quand on est cochon, when you are a pig, ça ne dépend pas des circonstances. It doesn't depend on circumstances. Quand on est une brebis, when you un sheep, agneau, a lamb, ça ne dépend pas des circonstances. It doesn't depend on c'est circumstances. Sa nature, it's nature, qui manifeste, that it's manifest, peu importe la circonstance, regardless of the situation or circumstance. Ne voyez pas les enfants de Dieu. Don't look at children of God. Nous commençons par nous-mêmes. Let's start from ourselves. Parce que because je ne peux pas amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. I can't bring somebody to the baptism of the Holy Spirit. Car moi-même, je n'ai pas le Saint-Esprit. When I myself haven't got it. Car moi-même, je ne sais pas comment Dieu m'a conduit à avoir le Saint-Esprit. When I myself do not know how God brought me to get the baptism of the Holy Ghost. C'est pourquoi le pasteur Panzo a dit, that's why Pastor Panzo said, n'ayons pas honte. Be not ashamed. Mais nous avons honte souvent. But we often ashamed. Parce que nous avons conduit les églises. Because we've led churches. Nous avons prêché la parole. We've preached the word. Nous avons prié pour les gens. We've prayed for people. Mais parfois, but sometimes, nous n'avons pas le Saint-Esprit. We haven't got the Holy Ghost. Parce que notre nature, because our nature, montre que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Shows really that we do not have the Holy Ghost. Peut-être les choses que nous voulons chercher à voir dans les enfants de Dieu. Perhaps the things we expect to see in God's children. Nous n'avons pas ça. We don't have it. Mais nous voulons le voir dans les enfants de Dieu. But we still longing to see it in God's children. C'est cet état de choses qui est vraiment
délicate. You know, this is the state of things which is delicate. Dieu a appelé cette convention. And God has organized this convention. Pour que nous puissions nous interpeller ces choses. So that we may think about these things. Parce que franchement, mon frère. Because frankly speaking, my brother. Mes bien-aimés. My beloved. Si je ne sais pas ce que signifie le feu. If I don't know the meaning of fire. Comment ça brûle? How it burns. Je vais aller prendre le livre. I may go and get a book qui parle du feu. Which speaks about the fire. Et je vais parler de ça. And then I will speak about it. Je vais parler correctement. I will speak correctly. Comment le feu brûle? How does the fire burn? Mais moi-même, je n'ai jamais senti ça. Unfortunately, myself have never felt it. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. That's the reason why we're here today. Pour que je sois sûr, so that I might be sure, quand je veux parler du feu, that when I will speak about the fire, que je parle de l'expérience, that I speak of my personal experience, feu, about the non fire, pas parce que j'ai lu ça, not because I read it mais somewhere, parce que j'ai vécu cela, but because I witnessed it. C'est très pertinent. It's really pertinent. Très important. It's very, very important. Vous êtes des prédicateurs. You are ministers. Franchement, même lire les citations. Frankly, even reading the quotes. On a la peine parce que quelle est la citation qu'on va lire que vous n'avez jamais lue? You know, it's quite hard to ask because what quote haven't you read yet? Dans les questions-réponses sur le Saint-Esprit. In questions and answers on the Holy Ghost. Que nous connaissons très bien. Which we all are aware of. Au paragraphe 48. In paragraph 48. Moi, quand je lis ça, when I read it, mon cœur, my heart, brûle, burnt, parce que, because, je me demande si réellement, I wonder whether really, nous lisons ça, we do read it, ou nous ne lisons pas ça, or we don't. Et même si nous lisons ça, and even though we read it, je me demande I wonder si nous comprenons if we do understand que c'est pour nous that it's for us, ou ce n'est pas pour nous. Or not. Je voudrais quand même vous les relire. Nevertheless, I'd like to read it for you. Nous connaissons tous ça. Though we all know that. Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Questions and answers on the Holy Ghost. Paragraphe 48. Paragraph 48. Maintenant, now, remarquez, notice, Jésus leur avait donné la directive Jesus gave them the guideline de monter à Jérusalem, to go up to Jerusalem et d'attendre. And to tarry over there. Le mot rester là signifie attendre. The word to tarry means to wait. Il ne signifie pas prier. It doesn't mean to pray. Il signifie attendre. But it means to wait. Ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher. Those men were not apt to preach yet. Parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne. Because they only knew his resurrection pour l'avoir by vu his person because they saw him de l'extérieur. From the outside. Il leur avait ordonné de ne plus prêcher. He ordered them not to preach anymore. De ne rien faire. Not to do anything. Tant qu'ils n'auraient pas d'abord été revêtus de la puissance d'en haut. As long as they wouldn't be covered from the power from on high. C'est impératif. It's imperative. Je ne dois pas prêcher. I mustn't preach. Je suis interdit de prêcher. It's forbidden to me. To preach. Tant que je ne suis pas encore revêtu de cette puissance d'en haut. As long as I'm not endued from the power on high. Il m'est interdit. Really, I'm forbidden from preaching. De prêcher. From preaching. De prendre la parole. To take up de the word. De prendre le message. To take up the et message. Et de le prêcher. And to preach it. Interdit. It's an interdiction. C'est là où j'ai dit que nous. Il nous faut vraiment de l'humilité. And that is where it requires a lot of humility from us. Pour que je reconnaisse so that I might acknowledge que j'ai prêché that I have preached avant d'être revêtu de cette puissance. Before being endued from that power. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, glory to Jesus Christ. Que je sois convaincu. I have to be convinced par moi-même by myself que j'ai prêché that I have preached avant de recevoir le Saint-Esprit before receiving the Holy Ghost.
Ce n'est pas avant d'avoir le ministère. It's not before receiving the ministry. Le ministère. The ministry. Frère Branham nous dit et la Bible aussi. Le Brother Branham say, speaks to us. Even the Bible confirms it. C'est inné. It's you born with. Nous sommes nés avec ça. I mean, you born with it. Tous les dons. All the gifts. Mais ici. But here. Il s'agit de quelque chose d'autre. It's about something else. Qui doit s'ajouter au ministère. Which has to be added unto the ministry. Pour mettre le ministère en service. To put the ministry into service. C'est là où se trouve le problème and d'abord. This is where the problem lies. Pourquoi je voulais m'étendre un peu là-dessus. And that's why I like to speak a lot about avant that. De parler de comment on peut amener un enfant de Dieu. Before showing how you can bring a child of God. Et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. To the baptism of the Holy Ghost. Je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu. I don't believe a preacher might be sent of God. Ou puisse avoir été correctement ordonné. Or might have been correctly ordained. Point, point, point. Dot, dot, dot. Parce que Dieu est infini. Because God is infinite. Et ce que Dieu fait une fois. And what God does once. Il le fait tout le temps. He always does it. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher, yet if God didn't want to let them preach, avant qu'ils se soient rendus là à la Pentecôte, before they have gone there to the Pentecost, qu'ils aient vécu l'expérience de la Pentecôte, and they have witnessed the experience of Pentecost, alors aucun homme, then no man. À moins qu'il le fasse de lui-même. Unless he does it on himself. À cause d'un désir profond. Because of a profound desire. Ça dit beaucoup. It means a lot. Ou qu'une organisation quelconque l'ait mandaté à le faire. Or some organization has sent him to do that. Aucun homme. No man n'a le droit has got the right de monter en chair to come behind the pulpit avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit before having been filled of the Holy Ghost. C'est tout à fait vrai. It's true. Parce que tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, because as long as he hasn't been filled of the Holy Ghost, il conduit les gens selon la conception intellectuelle d'une organisation. He leads the flock according to an intellectual conception of an organization. C'est seulement après cela qu'il leur donne la nourriture de la colombe. And it's only after that that he gives them the dove's food. L'agneau et la colombe, comme nous en avons parlé hier soir. The lamb and the dove, as we spoke about last night. C'est là où se situe le problème. And this is where the problem is located. Si nous pouvons être humbles, if we could be humble enough, nous pouvons voir, we can see, le chemin que nous avons parcouru, the way we have traveled. Bien que nous prêchions le message, message, qu'est-ce que nous n'avons pas connu? What have we not known? Des tiraillements entre les prédicateurs, the quarrel between the ministers, le mépris entre les prédicateurs, despising between the la ministers, communion brisée entre les prédicateurs, broken fellowship between the preachers, les injures entre les prédicateurs, insults between the preachers, les dénigrements entre les prédicateurs, despising between the la haine entre les prédicateurs, hatred amongst the ministers. Toutes ces choses qu'on trouve dans le monde. All these things we find in the world. On les a trouvés au milieu de nous. We found it amongst us as well. Est-ce que nous pouvons continuer à dire que nous avons le Saint-Esprit? Can we carry on saying that we have the Holy Ghost? Ne pouvons-nous pas être humbles? Couldn't we be enough humble? Et nous arrêter? And stop somewhere. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. It doesn't mean that we're not God's nous children. Nous sommes des enfants de Dieu. Of course we are God's children. Nous sommes des serviteurs de we Dieu. We are God's servants. Mais quelque chose nous a manqué. But we have lacked something. On n'a pas passé par une expérience. We haven't gone through an experience yet. Où la nature ancienne. Where the old nature a été consumé. Has been consumed. Est-ce que nous ne pouvons pas voir ça, frères et sœurs? Can't we see that, my beloved brothers? Est-ce que je ne peux pas voir ça dans ma vie personnelle? Can't I see that in my personal life? Ici,
here, ce n'est pas question de savoir prêcher. It's not about knowing how to preach well. Tu prêches bien. You preach well. Tu prêches vraiment bien. Really, you're a nice preacher. Tu cites les citations. You quote all kinds of quotes. Mais quelque chose dans ta vie, but something in your life, n'est pas changé. Hasn't been changed. L'ancienne nature est toujours là. The old nature is still in you. Elle est toujours là. It's still in you. Mais comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit? How can you claim having the Holy Ghost? Dans l'introduction, le pasteur Panzo en a parlé. In the introduction, the pastor Panzo spoke of it. Que ce n'est pas le fait d'avoir un ministère. That it's not the fact of having a ministry that shows you've got the Holy Ghost. Ou avoir un don. Or having a gift. Qu'on a le Saint-Esprit. That you've got the Holy Ghost. Toutes ces choses-là. All those things. Le ministère, la puissance, the ministry, de la prédication, the power of the preaching, l'onction, the anointing. Ce n'est pas ça la preuve du Saint-Esprit. This is not the evidence of the Holy Ghost. Et dans l'exposé de cet âge, and the exposition of the seven church ages, je crois à la page 162. I think on page 162. Frère Branham me dit que même si j'ai ces manifestations en abondance, Brother Branham says even though I have got these manifestations in abundance, ce n'est toujours pas la preuve, it's still not the evidence, que moi j'ai le Saint-Esprit, of me having the Holy Ghost. Mais souvent nous regardons au don. But often we look at the nous gift. Regardons au ministère. We look at the ministries. Au lieu de regarder à la chose. Instead of looking at the main thing. Capital. The main thing. Dont Jésus a parlé. About what Jesus spoke. C'est pour cela que nous sommes ici, frères. That's the reason why we're here, brothers. Pour que nous puissions regarder en nous-mêmes. So that we may check on ourselves. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Don't look at someone else. Regarde à toi-même. But look at yourself. Vois ce que tu es. And see exactly what you are. Parce que franchement, because frankly speaking, si nous pouvons parler aux enfants de if Dieu, we can speak to God's children, comment ils doivent se comporter, how they have to behave, pour et recevoir le Saint-Esprit. In order to receive the Holy Ghost, le Saint-Esprit est pour tout le monde. The Holy Ghost is for everybody. Ministre ou un enfant de Dieu tout court, c'est la même chose. Or a simple layman, it's exactly the same thing. Le schéma est le même. The scheme is the same. C'est pourquoi beaucoup nous sommes venus. That's why many have shown up. Et à ce message, unto this message, on n'a pas pris le temps d'être un enfant de Dieu tout court. Without taking enough time to be a simple child of God. Mais juste quelques semaines après ou quelques mois, nous sommes présentés comme prédicateurs. But just after a few weeks or a few months, we introduced ourselves as preachers. Et comme on commençait déjà à prêcher devant les enfants de Dieu, and as we started preaching before God's children, il nous a été difficile de nous aligner sur la base des enfants de Dieu comme tel. It has been difficult to us to align ourselves on the basis of God's children as et it should be. À être rempli du Saint-Esprit. And try to be filled of the Holy Ghost. Et comme on est déjà arrivé très loin. As we've gone far enough. Des années et des années, j'ai prêché la parole. I've been preaching the word for years and years. Mais avec ma vie qui n'est pas juste. But with my unrighteous life. Même quand le monde entier voit que ta vie n'est pas juste. Even when the whole world sees that your life is not correct. Le jupon. You are a skirt runner, mais tu es quand même un prédicateur. But you're still calling yourself a preacher, rempli du Saint-Esprit, filled of the Holy Ghost. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. I think there's something wrong somewhere with you. Tu es serviteur de Dieu, c'est vrai. Of course, you're a servant of God. Mais ici, il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit. But here, it's about being filled of the Holy Ghost. Que la vie de Christ, for Christ's life, puisse être en toi. To be in you. Alors, frère Branham, then, Brother Branham, il ne comprend pas, doesn't understand, comment un homme, how come a man, qui n'a pas le Saint-Esprit, who doesn't have the Holy Ghost, peut se tenir devant la chair, could stand behind a pulpit, et prêcher la parole de Dieu, and preach God's word. Là, le problème devient délicat, now the problem becomes delicate, parce que nous avons déjà des chairs, because we've got pulpits, nous sommes déjà derrière les chairs, we're already behind the pulpit. Et si je n'ai pas le Saint-Esprit, and if I haven't got the Holy Ghost, comment me déplacer de la chair, how will I go away from the pulpit, pour que je ne puisse pas prêcher la parole, so that I may not preach the word anymore, même pendant un temps, even for a while, parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, because the word of God needs to be fulfilled. Ce n'est pas ta parole, it's not your own ce word, ce n'est pas ma parole, it's not my word, c'est la parole de Dieu, it's God's word. Si nous ne l'accomplissons pas, if we don't fulfill,
Dieu ne sera pas derrière nous. God will never be behind us. Nous allons faire des efforts. We will struggle. Amener l'église à veiller, à faire des veillées, pour avoir le Saint-Esprit. To vigil so that they might receive the Holy Ghost. Dieu se croisera les mains. But God will have his Il ne va pas t'honorer parce que toi tu ne veux pas honorer sa parole. He will never honor you because you don't want to honor his word. Oh mes bien-aimés. Oh my precious brothers. Que Dieu nous aide. May God be merciful unto us. Il faut que nous-mêmes, we need ourselves, en tant que conducteurs, as leaders, en tant que pasteurs, as pastors, en tant que prédicateurs, as ministers, nous puissions être sûrs, be sure, que nous avons le Saint-Esprit, that we have the Holy Ghost. Alors nous comprendrons, and then we shall understand, comment amener les autres au baptême du Saint-Esprit. How to get other people to the baptism of the Holy Ghost. Je crois que c'est dans la prédication l'accusation. I think it's in the sermon indictment. Je ne me rappelle pas le paragraphe. I can't remember the paragraph. Où frère Branham dit, where Brother Branham says, avant d'appeler les autres à parcourir un chemin, before asking other people to go through a way, il faut d'abord que toi-même parcours d'abord ce you chemin-là. Must go through it yourself first. Et quand tu arrives à la fin, once you get to the bottom, maintenant tu peux appeler les autres. Then you can call the other people to et follow. Suis-moi. Follow me. Mais ne poussez pas les gens. Allez-y. Don't push people forward. Go ahead, go ahead. Vous n'avez jamais fait ce chemin. Whereas you've never been there. Et souvent, je l'ai toujours dit, and often I've said it, ça ne sert à rien, it's pointless, de prêcher sur l'amour, to preach about love, car toi tu n'as pas d'amour, when you don't have love yourself, ça ne sert à rien, it's pointless. Tu n'as jamais expérimenté l'amour, you've never experimented love in tu, you, tu le prêches comment? Now tell me, how are you preaching that? C'est comme quelqu'un, comme je viens de le dire ici, it's as someone, as I've said it, il n'a jamais cultivé le maïs, who's never grown, the maize, mais sur base du livre, but on the basis of a book, il décrit comment on sème le maïs, he describes how to grow il vient maize, en parler aux autres, and then he comes and report it to other people. Ce sont ces genres de ministres, these is the kinds of ministers, qui mènent les confusions dans la parole de Dieu. Are bringing confusions in God's word. Ils se tiennent à la lettre. And they hold onto the letter. Et eux-mêmes ne sont pas devenus cette lettre. Whereas they themselves have never become that letter. C'est le but de cette convention. And this is the purpose of this convention. Et nous qui avons eu cette chance de venir ici, that we who have gotten the opportunity to come here, quand nous allons rentrer chacun chez lui, when each one of us will go back home, que celui qui n'a pas encore passé par ce temps, the one who hasn't gone through that way, franchement, j'insiste là-dessus. Really, I'm emphasizing le baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy ce n'est pas l'onction qui vient. It's not the anointing that comes on you. Et je commence à prêcher avec puissance. And then I start non, ce n'est pas preaching ça. Mightily. No, that's not what I'm talking about. Ce n'est pas ça. That's not it. Mais parfois, nous sommes basés là-dessus. But perhaps we based on that. Non, maintenant, tu dois regarder à ta vie. Really, now you need to check on your life. Écoutez ce que le prophète dit. Now, listen to what the prophet says. Dans Christ est le mystère de Dieu. In Christ is the mystery révélé. Of God revealed. Je suis au paragraphe 136. In paragraph 136. Et 37. And 37. Mais la seule manière que vous, pour vous d'être véritablement un chrétien, but the only way for you to be a genuine Christian, c'est que Christ s'identifie lui-même en vous, is when Christ identifies himself in you. Oui, ça pique ça. Really, it's a hurt. J'espère que tous ceux qui écouteront cette et la bande aussi, I hope that all who will listen to the tapes as ils well, saisiront bien ça. They will catch it well. Voyez. Vous see, dites, je suis pentecôtiste. You say, I'm a Pentecostal. Ça ne veut rien dire du tout. It means nothing absolutely. Il s'agit de Christ. It's about Christ. Identifié en vous. Identified in you. C'est alors qu'il vous a reconnu comme sien. And then he will have acknowledged you like his.
Au paragraphe 139. In paragraph 139. Mais quand Christ est identifié en vous, but when Christ is identified in you, qu'il s'identifie lui-même, he identifies himself, alors vous êtes semblable à Christ. And then you look like Christ. En effet, le mot chrétien signifie, in fact, the word Christian means, être semblable à Christ. To be Christ-like. Voilà ce qui vous identifie. Behold what identifies you. Très bien. Very well. Bon, et puisque ce qui nous identifie, c'est lui. Good, since what identifies us is him. Alors nous devrions nous identifier à lui en vivant pour lui. And then we need to identify ourselves to him by living for him. Paragraphe 224. Paragraph 224. Mais quand Christ vous prend sous son contrôle, but when Christ takes control of you, il exprime cette parole directement à travers vous. He expresses that word straight away through you. Parce que c'est lui. Because it's him. Il est la parole. He is the word. Voyez? See? Et alors vous pouvez voir l'expression de Christ. And then you could see Christ's expression. Pas une sorte d'illusion, not a kind of illusion, mais un Christ vrai, but a true Christ, authentique, genuine, qui s'exprime directement à travers vous, expressing himself directly through you. Comme c'est beau. Oh, how wonderful it is. Regardez. Now look. Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. Christ in you make of him the center of the life of revelation. Voyez. See. La vie de Christ en vous. Christ's life within you. Fait de lui le centre de la révélation. Makes of him the center of the revelation. Christ dans la Bible. Christ in the Bible. Fait de la Bible la révélation complète de Christ. Makes of the Bible the complete revelation of Christ. Christ en vous, Christ in you, fait de vous la révélation complète de l'ensemble. Makes of you the complete revelation. Voyez de ce que Dieu essaye de faire. Do you see what God is trying to do? Donc, être rempli du Saint-Esprit. I mean, being filled of the Holy Ghost. Avoir la personne de Christ en vous. To have the person of Christ within you. C'est s'identifier à Christ. Is to identify yourself to Christ. Votre vie, your life, ma vie, my life, s'identifie à Christ. Identified to Christ. Souvent, c'est très simple. Often, it's quite simple. Parce que nous voulons lire les citations. Because we want to read quotes. On les a lues des années et des années. And we've read it years after years. C'est lui qui a le Saint-Esprit. The one who's got the Holy Ghost. Supporte celui qui est en erreur. Bears with the one who's mistaken. Combien nous l'avons fait? How often have we done it? Combien nous l'avons fait? How often have we done it? Quand nous avons trouvé les gens en erreur. When we found people mistaken. Et nous l'avons supporté. That we have. Et nous les avons aimés. With them and we've loved them. Bien aimé. Beloved. La parole de Dieu. God's word. Ce n'est pas ma raison. Is not my reason. Non. No. Moi j'ai mes raisonnements. I've got my reason. J'ai mes sentiments. I've got my feelings. Mais la parole de Dieu reste la parole But de Dieu. God's word remains the word of God. Si dans ta vie tu es incapable, if you are unable in your life, de supporter ton frère, to bear with your brother, qui est en erreur, who's mistaken, tu as déjà échoué, you've already failed, tu n'as pas le Saint-Esprit, you haven't got the Holy Ghost. Il faut pas attendre que quelqu'un vienne te tirer à la veste, frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit, quitte la chair, non. Don't wait for someone to come and pull you back from your costume, saying, brother, get away from there because you haven't got the Holy Ghost. Toi-même. No, on your own. Tu dois le savoir. You have to know that. Dans la prédication, les dons appropriés. In the sermon, appropriate gift. Ce sont les écritures que nous connaissons. These are scriptures that we all know. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. That God's gifts always find the place. Ou les dons appropriés comme les frères de Suisse l'ont traduit. All the appropriate gifts as the brothers from Switzerland translated. Paragraph 17. Il est écrit comme ceci. This is what is written there. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne. Even if we disagree with someone. Cependant,
Si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, however, if we cannot do it in a friendly or brotherly way, et qu'ensuite, point, 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 and afterwards, comme le pasteur Chesa l'a prêché hier, as Pastor Chesa preached yesterday, cet âge, c'est un âge de l'amour fraternel. This age is an age of brotherly kindness. C'est ça la vertu de cet âge. And this is the virtue of this age. Si je ne l'ai pas, if I haven't got it, où est-ce que je suis? Where am I then? Comment je serai allé jusqu'au baptême du Saint-Esprit? How will I reach the baptism of the Holy Ghost? Mais la vertu même de l'âge, je n'en ai pas. Because I haven't got the very virtue of the age. Bien-aimé, my beloved, l'esprit dénominationnel, the denominational spirit, pentecôtiste, Pentecostal spirit, est entré au milieu de nous, has gotten amongst us, pour nous déranger, just to disturb us, pendant des années, for years. Dans le message, in the message, nous nous sommes divisés, we've gotten divided. Nous sommes devenus des ennemis les uns les autres. We've become enemies one of the other. Parce que nous ne voyons pas de la même manière. Just because we don't see eye and eye. Mais qui pouvait croire? Now who could believe? Que c'est un esprit qui se trouve dans les dénominations. That it's a spirit that is found amongst denominations. Dès qu'on n'a pas compris une chose de la même manière que son frère, though you haven't understood something like your brother did, on brise la communion. You break the fellowship. Où est le Saint-Esprit à ce moment? Where is the Holy Ghost then? Le Saint-Esprit n'est pas là. The Holy Ghost is not there. N'allez pas chercher de midi à 14h. Don't find to look around. Ennemis. Enemies. Parce que moi je crois que, because I believe, l'autre croit que, and I believe this and the other one believes that, dans le message de frère Branham, in Brother Branham's message, ça devait nous faire pleurer. You know, we should be crying for parce that. Que c'est que l'autre soutien se trouve aussi dans la parole. Because what the other one is supporting is also in the word. À moins que ça soit sa propre interprétation. Unless it be his own interpretation. Mais si c'est une citation qui est dans le message de frère Branham. But if it's a quote that's in Brother Branham's message, et qu'on devrait placer à sa place, and which should be set into the correct place, et que toi tu crois autre chose, and you believe something qu'on peut else, aussi placer à sa place, which could also be set at the correct place. Pourquoi nous tirailler, frères, why frères, are frères, we bien-aimés? Arguing, my beloved brothers? Où est le Saint-Esprit? Where is the Holy Ghost? Qui devait nous unir? Which should unite us? Qui devait nous mettre ensemble? Which should gather us? Et nous attendre à lui? And that we might expect from him. Nous avons placé plutôt notre intelligence. We have set rather our own understanding, notre connaissance, our knowledge. C'est pourquoi j'ai toujours dit, and that's why I've always said, il n'y a aucun Ephésiens 4, there is no Ephesians 4, qui a le monopole de la révélation, who's got the monopoly of the revelation, qui peut dire que c'est moi qui peux recevoir plus de révélations que tout le monde. And who could say I'm the only one who can receive more revelation than anyone pas. Else? It doesn't exist. À chacun de nous, in each one of us, Dieu a placé quelque chose, God has placed something, qui peut être donc comme qui peut être exploité par le royaume de Dieu, which could be exploited by God's kingdom, à chacun de nous, to each one of us. Regardez le corps humain, look at the human body, qui est composé de plusieurs membres. Which is made of many members. Il y a même des membres où on ne sait pas comment ça fonctionne. There are some members which we do not know how they function. Pour les yeux, tu peux voir facilement. Les yeux peuvent voir. For the eyes, you can see that you les oreilles see peuvent entendre. And the ears can hear. Et vous dire quelque chose. And tell you something. Vous n'avez jamais vu les gens qui n'écoutent pas. But you've never seen the people who are deaf. Mais qui vivent. But to survive. Vous n'avez jamais vu les gens qui ne voient pas. Haven't you seen people who are blind? Mais qui sont vivants. But you are still alive. Vous n'avez jamais vu les gens qui ne parlaient pas? Haven't you seen people who are dumb? Mais qui sont vivants? But who's still alive? C'est que ne pas écouter, ce n'est pas vraiment ça qui constitue la vie de l'homme. That means being deaf is not really the thing that makes the life of a man. Peut-être qu'il y a un petit élément quelque part. There might be a certain un element petit organe somewhere, quelque part dans le corps. A little organ somewhere in the body. Quand c'est foutu, when it's broken, tout le corps tombe. The whole body falls down. Et les oreilles, et les yeux, et both la bouche, the ear, the mouth, the eyes, they collapse. C'est pourquoi nous devons faire attention. That's why we need to be dans careful. Dans le corps de Christ. In Christ's body. Nous devons respecter les uns les we autres. We need to respect one another. Vous ne savez pas
Peut-être que la personne que vous méprisez, you don't know, maybe the person you despise, c'est lui que Dieu considère. Is the one that God considers. Et nous devons le respecter. We need to respect surtout each entre other, nous, le conducteur, especially amongst ou us, les serviteurs the de Dieu. Or God's servant. Parce que Dieu nous a placés devant son Because peuple. God has placed us in front of his Et people. Nous devons nous respecter. Therefore, we need to respect parce que nous sommes tous les chefs du peuple. Because we are all the chiefs of the people. Je continue à lire. Carry on reading. Reading Voyez si Christ est dans votre cœur. If Christ is in your heart. Alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, then no matter how you may disagree with a man, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. You would still have love and respect toward him. Et comment nous allons effacer ça? How can we blot it out? Vous ne respectez pas quelqu'un. You don't respect someone. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Because you disagree with. Vous n'aimez pas quelqu'un. You don't love someone. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Because you disagree Venez with. Venez effacer l'écriture. Come and delete that quote. Si vous ne l'effacez pas, if you don't delete it, donc c'est vous qui êtes en erreur. It means you are mistaken. Quelle que soit votre raison. No matter how much reasons you may have. Bien des fois, quite often, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. I disagree with many people. Et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne me suis pas mis d'accord. Yet, I've never seen one of those I disagreed with. Pour qui je n'ai eu d'autre pensée que de mettre mon bras autour de lui. For whom I had no other thoughts than putting my arm around him et de l'appeler mon frère and calling him my brother et d'essayer de l'aider le mieux que je peux and trying to help him the best I could. Je suis en désaccord avec lui I disagree with him parce que je pense peut-être que sur base des désaccords qu'il because I think on the basis of some disagreement ce qu'il croit, what he believes, moi je peux ne pas le croire exactement comme lui. I mightn't believe it exactly as he does. Mais, but, ainsi de suite. And so forth. Or, je peux essayer de lui montrer mon point de vue. Yet I may try to show him my point of view. Pendant qu'il me montre aussi le sien. As he's trying to show me his. Ensuite, nous confrontons cela. And afterwards, we will put it together. Et nous examinons la chose minutieusement. And examine the thing completely. Et nous voyons ce que nous obtenons. And then we will see the outcome we come with. Mais tout en étant en désaccord comme cela. But still being in such disagreement. Mais tant qu'on en arrive à. But as long as we get to, nous ne devrions jamais nous mettre en colère. We should never, never get angry. Ni vouloir faire du mal. No wanting to do evil. Ni détruire. Or destroy. Ni rien de ce genre. Or nothing alike. Mais nous devrions toujours essayer d'édifier. But we should always try to edify. Voilà l'onction. Behold the anointing. Avec laquelle nous devons rester aujourd'hui. With which we have to stay today. On verra ça encore peut-être après. We shall see it perhaps later again. L'onction. The anointing. De cet âge. Of this age. C'est la parole de Dieu. Is God's word. C'est ce que dit le prophète. This is what the prophet says. Si nous ne croyons pas à ça. If we don't believe that. Et nous faisons autre chose. And we do something else. Qu'est-ce qu'on va faire? What can we do? C'est dommage. It's really sad. Et le prophète dit aussi quelque chose. The prophet says something else. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? In what is the Holy Ghost? Au paragraphe 55. In paragraph 55. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. I always do what is agreeable to my Father. Je viens non pas pour faire ma propre volonté. I come not to do my own will. Mais celle du Père qui m'a envoyé. But the will of the Father who sent me. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. And the Father who sent me is with me. Et comme mon Père m'a envoyé. As my Father sent me. Moi aussi je vous envoie. I also send you. Oh là là. Oh my. Frère Branham tape deux fois. Brother Branham dans taps ses mains. Twice on the pulpit with his hand.
Lui, je crois qu'il n'avait pas l'interprète. I think he didn't have an interpreter with. Il ne tenait pas le micro comme moi je l'ai. And he didn't hold the mic as alors, I'm doing now. Il pouvait taper dans les mains facilement. And he could clap his hands easily. Bien. Right. Le Père qui l'a envoyé, the Father who sent him, il était en lui. Was in him. Le Père qui a envoyé Jésus, the Father who sent Jesus, il est venu en lui. Has come in him. Il agissait à travers lui. And he acted through him. Le Jésus qui vous envoie, the Jesus who sent you, il va avec vous, goes with you, et il est en vous. And is in you. Et si cet esprit and if that spirit, qui vivait en Jésus-Christ, which lived in Jesus Christ, lui a fait faire ce qu'il a fait, made him do what he did, et l'a fait agir comme il l'a fait, and made him act as he did, ça vous donne une idée générale, it gives you an overall de ce qu'il fera quand il sera en vous, of what he will do when he comes in you, parce que cette vie ne peut pas changer, because that life cannot change, elle va passer d'un corps à l'autre, it will go from one body to the next, mais elle ne peut pas changer de nature, but it can't change its nature, car c'est Dieu. For it's God. Le Saint-Esprit, c'est la vie. The Holy Ghost is the life. C'est une vie. It's a life. Et quand cette vie est dans un homme, and when that life is in a man, elle doit produire. It's got to produce. Elle doit produire le fruit. It's got to produce the fruit. Mais si cette vie est en toi, but if that life is in you, elle était en Jésus, as it was in Jesus, ou comme elle était dans Pierre, or as it was in Peter, ou comme elle était dans Paul, or as it was in Paul, ou comme elle était en Branham, or as it was in Branham. Voyez ce que cela a produit en Branham. See what it produced in Branham. Nous voyons seulement les miracles. We only seeing miracles. Nous voyons les discernements. We only seeing discernments. Que Jésus venait opérer à travers that ce ministère. Jesus operated through that mais ministry. La vie que l'esprit qui était en lui. But the life of the spirit which was in parce him. Parce que le discernement, le ministère, moi je n'ai pas ce ministère là. Because the ministry of discernment, I haven't got it. Je ne peux pas faire comme lui. I can't do what mais he did. Mais dis-moi la vie qui était en Branham. But at least the life which c'est was la in même Branham vie qui doit être en moi. Is the same life that must be in me. Et cette vie-là doit produire en moi ce qu'elle a produit à Branham. And that life must produce in me what it produced in Branham. Laissez un peu le ministère là à côté. Please let put the ministry aside. Parce que c'est la portion que Dieu lui a donnée. Because it's the portion qui ne peut pas te donner toi, which he cannot give you, donner. Which he cannot give chacun to me. A sa façon d'être conduit par Dieu each ou d'être utilisé par has Dieu. Got the way to be led or used by God. Je ne veux pas chercher à ce que Dieu m'utilise comme il vous utilise. I don't want God to use me as he uses you. Mais néanmoins pour la vie. But nevertheless, concerning life. Que ce soit le pasteur. Be it the pastor. Un prédicateur. A preacher. Une sœur qui est assise sur le banc. A sister sitting on the ou pew. Ou un frère. Or a brother. Cette vie-là est la même. That life is the same. Elle doit produire les mêmes choses. And it's got to produce the very same things. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les prédicateurs. There is no Holy Ghost only for the preacher. Pour les pasteurs. Or for the pastor. Et le Saint-Esprit pour les sœurs. And the Holy Ghost for the sisters. Non, non, no, non, 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 non. No, sir. Si les frères qui sont assis sur les chaises. If the brothers who are sitting on the pews. Nous leur demandons qu'ils soient doux. We want them to be meek. Par le Saint-Esprit. Through the Holy Ghost. Et toi qui es debout ici. And you who are standing here. Tu n'es pas doux. You're not meek. Mais tu es en train de mentir. I mean you are lying. Commence par être doux toi d'abord. Start by becoming meek yourself. Commence toi d'abord à être patient, tempérant. Start getting patient and temperate yourself. Non, tu n'es pas tempérant. You're not temperate. Tu peux critiquer quelqu'un facilement. You can easily gossip. Tu peux mépriser quelqu'un facilement. You can despise somebody easily. Et tu demandes à l'église de ne pas critiquer, de and ne pas mépriser. You forbidding the church to, non, je suis un menteur à ce moment-là. Then I would be et a liar. Et ce que j'ai dit là n'aura même pas d'effet dans l'église. And what I'm saying will never have any effect in the church. Jamais. Never. Dieu ne peut pas mentir. God cannot lie. C'est pourquoi, frère, that's why, brothers, j'ai voulu rester un peu longtemps là-dessus. I wanted to linger a bit on that. Parce que c'est nous qui allons amener les gens au Saint-Esprit. Because we are those who will bring people to the Holy Ghost. Alors nous devrions
être sûr que nous avons le Saint-Esprit. Therefore, we needed to be really sure that we've got the Holy Ghost in us. Nous avons la vie de Christ en nous. And that we have Christ's life in us. Et ce n'est pas une vie de hasard. And it's not a haphazard life. On est bien aujourd'hui. You're good today. Demain, on n'est pas bien. And tomorrow, you're not good. Non, ce n'est pas cette vie-là. No, that's not C'est the life I'm talking coule. About. It's a life that flows. Cette vie de Christ. That life of Christ. C'est pourquoi Frère Branham a dit que so dans cette Branham said in this age, il y a très peu seulement there are a few only qui feront partie de l'épouse. Who will be a part of the bride. Alors nous devons nous débarrasser de nos sentiments. Therefore, we need to get rid of our sentiments. Et revoir comment nous nous sommes repentis. We have to check on how we repented ourselves. Parce que le schéma est le même. Because the pattern remains the same. Quand on parle de la repentance, when we talk about repentance, la justification, justification, la sanctification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy Ghost. Il n'y a pas un schéma pour des enfants de Dieu qui there sont is no pattern for the children of God who sitting on the pews. Et un autre schéma pour les prédicateurs. And another pattern for the ministers. C'est là no. où nous avons commis des and erreurs. And this is where we have failed. Pensant que parce que nous avons des ministères, thinking because we have got ministries, automatiquement nous avons le Saint-Esprit. Automatically we've got the Holy Ghost. Et surtout quand le ministère commençait à bouillonner. Especially when the ministries were je dois boiling. Aller prêcher quelque part. No, I feel like je dois aller prêcher. Somewhere. I feel like je dois ouvrir l'œuvre. I gotta commencer open une œuvre. I've got to start a work somewhere. C'est bien, tu peux commencer. You une know, œuvre. It's good. You may start a work. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui commence cette œuvre-là. But if it's not the Holy Ghost who starts cette œuvre-là n'ira nulle part. That work will go nowhere. C'est pourquoi revenons à nous-mêmes. That's why let's come back to our senses. On ne va pas arracher ton église. We won't take your church away. On ne va pas t'effacer devant la chair. We won't rub you off from si your pulpit. Tu sens vraiment. But if really you feel que ta nature n'a pas changé. That your nature has never changed. Tu es encore égoïste. You're still selfish. Tu es encore prêt à briser la communion avec un frère. You're still ready to break the fellowship with tu es a brother. Encore prêt à mépriser un frère. You're still ready to despise à a brother. À le dénigrer. To despise him. À parler à mal de quelqu'un d'autre. To speak ill of somebody else. À ne pas respecter ton frère comme serviteur de Dieu. To not respect your brother as a servant of God. À cause de ce qu'il a fait. Because of what he did. Humilie-toi. Please humble yourself. Regarde au Seigneur. Look at the Lord. Il est prêt à te recevoir. He's ready to receive you. Tu es ici aujourd'hui. You're here today. Ce n'est pas toi qui as l'église. It's not you are with the church. Ton église à quelqu'un you d'autre. Left the church to someone else. Tu peux aussi prendre un temps. You might take a time. Tu laisses quelqu'un prêcher. And you leave somebody et else tu prends to le preach. Temps and you take the d'aller time dans la présence de Dieu. To go into God's et chercher presence à être rempli du Saint-Esprit. And seek to be filled up the Holy Ghost. Jusqu'à ce que ta nature change. Until your nature changes. Toi, tu es le pasteur. You the pastor. Tu es tout le temps en colère. You always angry. Ta colère est sainte. Is your anger holy? Par rapport aux colères des autres qui sont là-bas. Compared to the anger of other people sitting there. On va l'accepter parce que c'est la colère du pasteur. Will we accept it because it's the pastor's non, anger? Mes bien-aimés. No, my beloved. Revenons à la parole Let's de come Dieu. Back to God's word. Sinon. Otherwise, nous risquons de rester. We're running the risk of et staying behind. Et les gens que nous prêchons and people to whom we vont preaching partir. Will go. Et n'oubliez pas ce que je dis aussi. And don't you forget what I'm saying. Que le Saint-Esprit that the Holy Ghost est pour la semence de Dieu. Belongs to God's seed. Et n'oubliez pas, vous êtes prédicateur. And don't you forget you preachers. Je ne vous apprends rien. I'm not teaching you any new ce n'est pas toute personne qui s'est dit avoir un ministère. It's not everybody who declares having a ministry. Qui est la semence de Dieu. Who is God's seed. Ça, c'est très fort. That's very strong. Mais il y a la vérité là-dedans. But there is a truth behind it. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas de la semence de Dieu. There are ministers who don't belong to God's seed. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? What can we say about them? Ils continueront à prêcher. They will keep on preaching. Ils n'auront même pas la capacité de se regarder à eux-mêmes. They won't even have the ability to check on ils themselves. Ils regarderont à leur raisonnement. They will check on their thinking, à leur intelligence, their intelligence. Mais ne regarderont pas à la parole de But Dieu. But they will never check on the word of God. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Ghost ne peut pas révéler la parole cannot reveal the word à la semence qui n'est pas la semence de Dieu. To the seed which isn't God's seed. Ça, nous le savons très bien. We all know that so well. Alors, vous qui êtes la semence de Dieu, then you, who are God's seed, peut-être que vous avez commencé à prêcher you might have started preaching sans avoir accompli la parole de Dieu. Without having fulfilled God's word. Revenons aujourd'hui à la parole Let's de Dieu. Come back today to the word of God. Nous avons regardé à votre don. We've seen your gift. Nous avons regardé
aux manifestations que tu as eues. We've seen the manifestations you've had. C'est très bien. It's so well. Mais maintenant, but now, nous voulons regarder à la vie de Christ. We want to look at Christ's life in you. Parce que pendant un temps, just for a while, regardez à ça. We look parce at que it. Les gens vous regardent. Because people are looking at le you. Le monde qui vous regarde. The world looking ne at you. Ne regardez pas au fait que tu as prophétisé. He's not considering the fact of you et having prophesied. And the prophecy non, was ils true. Ne regardent pas à ça. No, they don't care about that. Et ils regardent à la vie que but vous manifestez. They care more about the life that you manifesting. Mais il prophétise. But he prophesies. Et sa vie. What about his life? Et les gens vont se méfier du message. And people will get away from the message. Parce que le message ne donne pas une bonne image. Because the message is not projecting a good frères, image. Nous avons fait ça. Brothers, we've all done it. Nous nous sommes méprisés les uns les autres. We've despised each other. Moi aussi, je suis là dedans. I am included as well. Moi qui suis devant vous. I who am standing before et you. Revenons maintenant à la parole but let's de Dieu. Come back to the word of God. Parce que la parole nous condamne. Because the word condemns us. Nous sommes nombreux, toutes les églises qui sont dans le monde. We so numerous, all the churches worldwide. Des groupes. Groups here, groups dans there. Dans le même message. In the very same message. Apporté par le même messager. Brought forth by the same messenger. Nous avons des groupes. We've got little groups here and there. Nous ne pouvons pas avoir honte de cela. Couldn't we be ashamed of that? Et nous asseoir, and sit down, revenir à la chose, and come back to the very est-ce que thing. Nous ne pouvons pas voir? Can't we see que c'est le manque du Saint-Esprit that it's the lack of the Holy Ghost qui a fait que nous puissions arriver à ces groupes? Which has caused us to have those groups. Chacun tire de son côté. Each one is pulling the blanket to his side. Tire de son côté. The other is pulling the blanket to his side. Vous connaissez dans la prédication, you know, in the sermon, la divinité expliquée. Godhead explained. Comment Frère Branham parlait des pentecôtistes? How Brother Branham spoke of Pentecostals. Chacun tirait de son côté. Each one was pulling de son côté. On his side. The other il leur a posé la question. Vous avez le Saint-Esprit? And he asked them. Il dit oui, nous avons le Saint-Esprit. They said we have alors, the Holy si Ghost. Si ton frère a le Saint-Esprit. Well, if your brother vous aussi vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi vous vous tiraillez? Why are you pulling each one apart? Et si vous avez le Saint-Esprit? Now, if you have the Holy Ghost, lui n'a pas le Saint-Esprit. And he doesn't mais have alors, the Holy montrez-vous Ghost, que vous avez le Saint-Esprit. Then show that you've got the Holy Ghost. Pour aller l'aider. To help him. Mais bien aimé. My precious brothers, si Dieu peut nous aider, if God could help à réfléchir us sur la situation qui est dans le message, to think on the situation in the message, aujourd'hui, today, ne donnez raison à personne, don't give reason to anyone, ne donnez tort à personne, don't condemn anyone, nous avons tous tort, we all wrong. N'avons pas raison. We not right. Parce que notre raison nous a amené nulle part. Because our reason brought us nowhere. Beaucoup de petits groupes, so many little groups, autour des doctrines, around doctrines, autour des hommes, around men. Et pourtant nous lisons le message. Yet we reading the message. Il n'y a qu'un seul messager. That there is only one messenger. Quel est ce prédicateur aujourd'hui? What is that preacher today? Qui va venir avec son propre message? Who would come with his own message? Nous savons tous que ce n'est pas vrai. We all know that it's not true. Pourquoi mes bien-aimés? Why my beloved? Nous ne pouvons pas voir. Can't we see que c'est le manque du Saint-Esprit? That is the lack of the Holy Ghost. Qui nous a amené à cela? Which has brought que us que ceux to qui that ont le Saint-Esprit. And those who have the Holy Ghost. Prennent la position de ceux qui ont le Saint-Esprit. Let them take the position of those who have the Holy Ghost. Et qu'ils puissent agir comme les gens qui ont le Saint-Esprit. And act as the people who have got the Holy Ghost. Si tu as mal fait. If you wrong. Tu as dénigré ton frère. You despised your brother. Mais repens-toi. Repent yourself. Ta parole, la parole de Dieu te condamne. Your word and the word of God condemn demande you. Demande pardon à ton frère. Apologize to your brother. Oh mes bien-aimés. Oh my brothers. Que Dieu nous aide. May God be merciful to us. Dans la sienne, dans l'église primitive. In the early church. Vous savez comment l'église a commencé? You know how the churches began. Une église remplie du Saint-Esprit. A spirit-filled church. Rempli de la puissance de Dieu. Full of God's power. Rempli de la vie de Dieu. Full of God's life. Toutes ces deux choses-là doivent être là. Those two things must be there. Et vous savez ce qui est arrivé? And you know what happened? Un mauvais esprit. An evil spirit. Est entré dans l'église. Got in the church. L'esprit Nicolaïte. Nicolaitan spirit. L'esprit de Nicolaïsme. Nicolaitanism spirit. Cet esprit est entré dans le message. And that spirit has also entered the message. Nous devons en parler tout haut pour que ça sorte. We gotta talk about it loudly so that it get out of us.
Nous avons commencé à dominer sur les enfants de Dieu. Now we ruling upon God's children. Les enfants de Dieu ont perdu leur liberté. God's children have lost their freedom. Ils ont peur de moi. They're afraid of me. Ils ont peur de toi. They're afraid of you. Incapables de te dire la vérité. Unable to tell you the truth. Même si ils voient que tu as tort. Even if they see that you're wrong. Incapables. Unable. À cause de ce mauvais esprit qui est entré. Because of this evil spirit in us. Si Dieu peut nous aider. If God could help us. De prendre la position de la parole de Dieu. To take up the position of the word of God. Sinon l'église va mourir. Otherwise the church will pass away. Le Saint-Esprit va quitter l'église. The Holy Ghost will leave the church. Prenez votre position. Take up your position. Si vous avez le Saint-Esprit. If you have the Holy Ghost. Vous repousserez au loin cet esprit de Nicolaïsme. You will push away that Nicolaitan spirit. Mais aujourd'hui. But today. On veut être grand. We want to be great. On veut être au-dessus de we tous les enfants de Dieu. Above all God's children. Et pourtant nous condamnons cet esprit-là. Yet we condemning that spirit. Nous le voyons dans la Bible. We see it in the Bible. Et pourtant quand nous prêchons les âges de l'église. Yet when we preach on the church nous parlons ages, de ça. We speak mais of nous it. Les repoussons vers loin. But we push it away. Au lieu de nous regarder nous-mêmes. Instead of looking at ourselves. Voir si je suis saisi par cet esprit-là. To see whether I'm not caught by that spirit. Mais bien-aimé, my beloved, la parole de Dieu God's word ne peut être anéantie par personne. Can't be annihilated by anyone. Je voulais vraiment dire cela. I really wanted to say that pour nous les conducteurs, to us ministers, pour nous les pasteurs, to us pastors, pour nous les prédicateurs, to us ministers, pour que nous sachions so that we may know que nous sommes obligés that we are obligated, si nous avons la semence de Dieu if we have God's seed, de recevoir d'abord le Saint-Esprit to first and foremost receive the Holy Ghost, avant de venir derrière la chair before standing behind the pulpit, pour prêcher la parole de Dieu and preach the word of God. Ne regardez pas votre connaissance. Don't consider your knowledge. La connaissance, vous l'avez. Really, you've got a nice knowledge. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas encore entré, but as long as the Holy Ghost is not cette in you connaissance yet, sera une connaissance intellectuelle. That knowledge will be simply intellectual. Cela n'amènera pas l'église it won't bring the church au baptême du Saint-Esprit. Unto the baptism of the Holy Ghost. Si tu as le Saint-Esprit, and if you have the Holy Spirit, tu es capable you able de voir un enfant de Dieu to see a child of God qui a reçu la parole who's received the word, et tu es capable de le prendre and you able to pick him comme up, le bien-aimé l'a dit as the beloved brother said, parler avec lui speak to him, parler avec lui speak to him, jusqu'à l'amener au baptême du until Saint-Esprit. You get him to the baptism of the Holy Ghost. Amen. Amen. Maintenant, comme je l'ai dit, now, as I've said, le chemin est le même. The pattern remains the same. Tous les enfants de Dieu qui viennent à la parole all de Dieu. All God's children who come to the word of God. La première chose, the first thing, nous voulons croire qu'ils sont tous des enfants de we Dieu. We all want to believe they are God's children. Parce que personne d'entre nous, because none of us, ne peut pointer un d'entre eux que toi tu n'es pas l'enfant de Dieu, toi tu n'as pas la semence de Dieu. Can point to one saying to them, you not the seed of God, you the son of God, and so forth. No. Qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu what draws God's children qui sont dans le monde who are in the world, qu'est-ce qui les amène à Dieu what draws them to God? Ils viennent par la prédication de l'évangile. They come via the preaching of the gospel. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Because I've got the parce Holy que vous Ghost. Avez le Saint-Esprit. Because you have the Holy Ghost. Alors vous prêcherez correctement la parole de and Dieu. And then you shall preach the word of God correctly. Car la parole de Dieu for God's word est une semence. Is a seed. Et elle ne peut se reproduire que lorsqu'elle est seule. And seule. It can only reproduce when it is sans alone, être mélangée par quelque chose d'autre. Without being mixed with anyone else or anything else. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu that's why when a child of God reçoit la parole de Dieu receives God's word, il vient à Dieu. He comes to God. Frère Branham dit qu'il y en a qui peuvent venir par les miracles. Frère Branham says some may come through miracles. Par la guérison divine. Through divine healings. Ce sont des appâts. These are baits. Que Dieu jette par l'évangile. That God casts through the gospel. Pour attraper ses enfants. To catch his children. Et les amener à la parole maintenant. And bring them to the word. Et quand ces gens viennent. And when those people come. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu. They come to listen to the word of God. Je vous ai dit au début, I told you in the beginning, comme dans l'introduction, as an introduction, je vous ai donné l'exemple de Jésus, I gave you Jesus example, je vous ai donné l'exemple des apôtres, I gave you the apostles example, et Corneille et les autres, Cornelius and the other,
Mais ces gens-là, tous ces gens-là, but all those people, que ce soit les gens qui étaient le jour de la Pentecôte, be it the people who were on the day of Pentecost, que ce soit les gens qui étaient à Samarie, or those who were in Samaria, que ce soit les gens qui étaient chez Cornelius, or those who were at Cornelius' place, il y a quelque chose de commun. There is something common. C'est que ces gens, means those people, avaient déjà été préparés par la parole de Dieu. Had already been prepared by the word of God. Les Juifs, the Jews, vous le savez bien. You know it la Bible so well. Dit que vous ne pouvez même pas pointer les doigts à un Juif. The Bible says you cannot even point your finger to a Jew. Qu'il a mal fait, qu'il a fait ceci, qu'il a fait ceci. That he was wrong, he did something parce wrong. Parce qu'ils avaient déjà la loi qui les a préparés. So because they were already prepared jusqu'à by the law, Christ. Up to Christ. En d'autres termes, ces gens avaient déjà la loi de Dieu en eux. In other words, those people had God's law within them. Ils savaient déjà les commandements de Dieu. They knew God's commandments. Et quand vous prenez l'exemple de Cornelius, and once you take Cornelius' example, la Bible le dit. The Bible declares que Cornelius, it, that Cornelius, il connaissait déjà les lois des Juifs. He knew the Jewish laws. Il était déjà comme un homme qui était saint. He was like a holy man. Qui était déjà sanctifié. He was already sanctified. Mais il y a une chose qui lui manquait. But there was something missing in him. C'est la parole de l'heure. It's the word of the hour. Ça ne savait pas. He didn't know that. Mais il était un homme bon. But he was a good man. Et il a amené sa maison. He brought his house. À être aussi bon. To becoming good. C'est-à-dire à craindre les commandements de l'Éternel. To fearing the commandments of the Lord. Comme tous les Juifs. As all the other Jews. Mais le message. But the message. Nous est arrivé. Has come to us. À toi et à moi. To you and to me as well. Nous ne connaissions rien de la parole de Dieu. We knew nothing on the word of God. Nous étions vraiment des brutes. We were really brute, raw. Nous étions des catholiques, des protestants, we were Catholic, Protestant, and so forth. Ancrés dans les histoires du monde. Anchored in the things of the world. Et le message vient. And the message came. Le message nous fait sortir du monde. The message brought us out of the message. Alors il faut commencer out of the world. Faire sortir le monde de tous ces gens. And therefore we need to get rid of the world from us with its things. Comme je le disais à Kinshasa. As I said it in Kinshasa. Prenez un catholique. Take a Catholic. Qui croit au message. Who believes the message. Vous en aurez dans votre église. Bring him in your church. La repentance d'un catholique. The repentance of a Catholic. Ne peut pas commencer seulement non, moi je ne bois pas, je ne fume pas. Ce n'est pas ça sa repentance. Cannot start by I don't smoke, I don't drink, I don't do this. No, that's not the repentance. Un catholique, a Catholic, doit savoir d'abord, must first and foremost know, qu'il communie avec les morts, that he was fellowshipping with the dead. Il s'agenouille devant les idoles. He was kneeling down in front of idols. Mais un protestant, but a Protestant, qui a appelé au message, who's called ne va pas se repentir de ça, will not repent himself from that, parce que lui il ne croit pas à ça, because he doesn't believe in that. Je veux que vous me suiviez, frère. I want you to follow me, brothers. Chacun de nous, each one of us, ça dépend à partir d'où le message vous a reçu. It depends on where the message si found vous you. Étiez pentecôtiste, if you are a Pentecostal, vous ne pouvez pas vous repentir de la communion avec les morts. You wouldn't repent yourself from the fellowship parce with que vous ne le dead faites pas. Because you were not doing it. Vous n'allez pas vous repentir du fait que vous agenouillez devant les idoles. You wouldn't repent because you were kneeling in front of idols. No. Ou de la hiérarchie. Or hierarchy. Ecclésiastique. Ecclesiastical hierarchy. No. Mais vous allez vous repentir. But you will repent parce yourself. Parce que vous croyez. Because you que believe. Que tout le monde doit parler en langue pour comme preuve du baptême du Saint-Esprit. Everybody should speak in tongue as the evidence of the baptism of the Holy Ghost. Tu dois commencer par te repentir comme ça. That's how you should start oh repenting Dieu, yourself, oh God. Je ne te connaissais pas. I didn't know moi, you. Je pensais que pour recevoir le Saint-Esprit, I thought to receive il faut, the Holy Ghost, il faut parler en langue. I needed to speak in tongues. Mais un protestant, but a Protestant, lui, il ne connaissait même pas ça. He didn't even know that. Comment il va se repentir de ça? How would he repent on that? Le jour de la Pentecôte. On the day of Pentecost. La repentance qui s'est faite le jour de la Pentecôte. The repentance that took place on the day of Pentecost. Ce n'était pas la repentance des idoles. Wasn't the repentance about ou idols. Ou d'avoir fait ceci, faire cela. Or for having done this or mais the c'est la other, repentance d'avoir
de n'avoir pas connu la parole qui a été promise à ce temps-là. But it was the repentance of not having known the word of that hour. C'est de ça que les Juifs étaient coupables. And this is what Jews were guilty of. Et le Saint-Esprit leur a dit. And the Holy Ghost told them que et Dieu a fait Christ sauveur, c'est Jésus que vous avez crucifié. That God has made Christ the Savior, the Jesus that you crucified. Le Saint-Esprit n'a pas dit vous fumez, vous commettez adultère. Non, il n'a pas dit ça. The Holy Ghost never said you were smoking, or drinking, or committing adultery. No, he never Parce said that. Parce que le Saint-Esprit savait qu'il y avait déjà la loi qui les a déjà préparés jusqu'ici. Because the Holy Ghost knew that there was a law which prepared them all the way along. Et tous ceux qui avaient la semence de Dieu. And all those who had God's seed, ils croyaient à la loi. They believed in the law. Et ils obéissaient à la loi. And they hearkened unto c'est the law. Que quand ils étaient là, that's why when they were there, ils étaient sanctifiés. They were sanctified. Mais la chose qui leur restait, c'est de reconnaître Christ qui devait venir. Was to recognize Christ who should come. Et le Saint-Esprit les a amenés directement à ça. And the Holy Ghost directly brought them to that. Et quand ils ont reconnu and once they recognized la promesse de leur, the promise of the hour, ils ont reçu le Saint-Esprit. They received the Holy Ghost. Mais aujourd'hui, but nowadays, la parole est venue. The word has come. Vous dites que nous avons cru au message. You say that we believe nous avons reconnu la parole de leur. We've recognized the word of the hour. Pas reçu le Saint-Esprit. But most haven't received the Holy Ghost. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Why is it so? There is something wrong. Pas reconnaître, recevoir la parole de l'heure. You can't recognize or receive the word of the hour. Si vous n'êtes pas encore préparé. If you're not prepared yet. C'est le Saint-Esprit qui doit vous amener à ça. It's the Holy Ghost who must bring you to that. Le Saint-Esprit n'a jamais été dans votre vie. And the Holy Ghost has never been in your life. Vous étiez toujours pécheur. You always been a nous étions sinner. Dans les dénominations. We've were in denomination. Nous devions d'abord regretter le fait. And we should first regret que nous croyions. That we believe, que nous irons au ciel that we would go parce to que heaven, nous sommes baptistes because we are Baptist, parce que nous sommes catholiques because we are Catholics, parce que nous sommes méthodistes because we are Methodists, parce que nous sommes pentecôtistes because we are Pentecostals, et ainsi de suite and so forth. C'est ce que vous croyez. And this is what you used to believe. Moi je croyais que pour aller au ciel I believed to go to il faut heaven, que je sois mennonite. I had to be Mennonite. C'est pourquoi je devais commencer par me repentir. That's why I should start from renier cette voie-là and deny et that accepter word, la voie qui vient and accept the way que c'est le seul moyen par lequel je dois aller au ciel. That this is the only way for me to go to heaven. Et je suis devenu une nouvelle personne. And I became a new person. Donc, il faut d'abord la repentance. I mean, you need to repent first. Et montrer aux enfants de Dieu and show the children of God de quoi est-ce qu'ils peuvent se repentir. What they should repent themselves about. S'ils ne savent pas ça, if they don't know that, et souvent on les amène au baptême, often we bring them to the baptism, ah, ils ont cru, oh, they believe, le baptême au nom de Jésus-Christ. The baptism in Jesus' on va, name. On les plonge dans l'eau, we plunge them in the water là-bas. And they come there. Or, nous lisons les prophètes. Yet we read the prophet, si la personne a été bien préparée, if the person was well prepared, avant de recevoir le baptême, before receiving the baptism, il faut préparer les gens. You need to prepare people. Moi, j'ai pensé que bon, c'était les protestants qui le faisaient. Vous suivez d'abord le catéchisme. It was the catechism first. Et après, on vous baptise. And afterwards, they baptized you. J'ai oublié là où j'ai lu ça. Excusez-moi. I forgot where I read Frère Branham it. Faisait excuse ça. Excuse me, Brother Branham used to do that as well. Il formait, il préparait les gens. He used to prepare people. Avant qu'il les amène aux eaux du baptême. Before he could bring them to the baptism water. La personne doit connaître ce qu'il est d'abord. I mean, the person must know what they are first. Qu'est-ce qu'il est? What d'où est-ce qu'il vient? Where he's from? Quelle est sa position vis-à-vis de what Dieu? What is his position toward God? Dans l'état où la parole le trouve. In the state where the word has found him. Et quand il reconnaît ça, and when he recognizes that, et vous lui présentez la parole, and you present the word to them, cette personne va pleurer. That person will cry. Il va crier. He will cry. Les larmes scream, vont couler. And the tears will flow. Malheureusement. Unfortunately. On s'est mis à chercher seulement les membres. We only started seeking members. Des églises. Of pour que mon église, members, mon église devienne grande. I want my church to grow on bigger. On n'a pas le temps. We haven't got enough time. De s'occuper des âmes. To take care of the souls.
Même si c'est une personne, even if it's only one person, qui croit. Who believes? Frère Branham dit que l'église de Jésus Christ. But Branham says the church of Jesus Christ. C'est une église de deux ou trois personnes. It's a church of two or three people. Mais qu'ils soient des vrais. But they need to be the genuine ones. Ils ont eu le Saint-Esprit. They got the Holy Ghost. Nous lisons ça dans les messages. We read it in the message. Dans ce rachet du côté de Jésus. Taken side of Jesus. Je crois qu'on c'est au paragraphe 27. I think in paragraph 27. Où Frère Branham dit que Paul, quand il allait établir les églises. Where Branham says when Paul established the church. Il restait jusqu'à ce que quelqu'un ait le Saint-Esprit. He would stay there until someone receives the Holy Ghost. Alors il va lui laisser l'église. And then he will leave him with the responsibility of the church. Et quand il part. And when he leaves. À son retour. When he comes back. Il trouvera déjà beaucoup d'autres personnes. He will find many more other people. C'est que nous, en tant que prédicateurs, it means us, as preachers, nous ne sommes pas demandés d'aller prêcher la parole par-ci, partout, partout. We are not asked to go preach the word all around. Vous commencez une église, you start one church, après vous la laissez, vous allez ailleurs, and then you leave it, you vous go commencez to another une autre. Place, you start another Mais one. Est-ce que vous êtes sûr que la première église, are you really sure that the first church, il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Somebody received the Holy Ghost there. Donc je devrais rester là-bas jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Until I make sure that somebody has received the Holy Ghost. Jusqu'à ce qu'on amène quelqu'un, même deux, même trois, au baptême du Saint-Esprit. Until they bring one, two, three people to the baptism of the Holy Ghost. C'est alors que vous avez commencé une église. And this is the, when you have started a church. Sinon vous avez commencé un rassemblement des hommes. Otherwise it's just a men gathering. Pas une église. Not a church. Parce que nous savons tous que l'église c'est le Saint-Esprit. Because we all know that the church is the Holy Ghost. Mais tu rassembles les gens. You gather people. Ils lisent la Bible. And they read the Bible. Vous dites que vous avez commencé l'église. And you say you've vous started n'avez the pas church. Commencé l'église. No, you haven't started the church. Parce que l'église. Because the church a commencé le jour de la Pentecôte. Started on the day of Pentecost. Car le Saint-Esprit est descendu sur les gens. When the Holy Ghost descended upon people. Et nous le savons tous. And we all know that. Donc la repentance, I mean, repentance est la chose la plus importante. Is the most important thing. Quelqu'un est venu à Christ, someone came to Christ, essayez de parler avec lui, and try to speak de to le him. Connaître. Try to speak and know, d'où est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il était. Know him, know what he was. Peut-être qu'il était magicien. Perhaps he was a magician. Donc, vous ne le savez pas. And you didn't know parce que that vous n'avez pas parlé avec lui. Because you didn't talk il to restera him. Magicien pendant longtemps he will stay a magician for dans l'église time in the church, et il ne recevra pas le Saint-Esprit. And he will never receive the Holy Ghost. Mais si vous savez qu'il était magicien, but if you knew he was a vous magician, commencerez à l'aider pour qu'il sorte de cette vie-là. You will start by helping him to come out of that life first. Le pasteur Panzu peut le savoir peut-être. Pastor Panzu might know that. Quand nous étions à Rigini, when we were in Rigini, et que les dons sont entrés dans l'église, and the gifts came into the church, on allait faire les services dans les maisons des gens. We had services in people's houses. On arrive dans une maison de quelqu'un, we would arrive une personnalité de l'église, house, a personality of the church. Le message sort que toi, tu es magicien. The message comes out saying you are a magician. Le frère dit non, moi je n'ai jamais fait la magie. And the brother will say no, I've never practiced magic in my Mais life. Il était sincère. And he was sincere. Mais j'ai dit prions. But I said okay, let's Nous pray. Avons prié. We prayed. Et un autre vase s'est mis debout. And another vessel will stand up and say. Au moment même où nous parlons ici. Right away as we talk. Tu as un livre de magie dans ta chambre. You've got a magic book in your bedroom. C'est alors que le frère va se ressaisir. And that is when the brother will try to remember. Mais c'était un livre qu'un ami m'avait donné. Oh, it was a book given et to me by a friend ça avant of mine. Le message. And I was reading it before the message. Nous sommes allés jusqu'à sa chambre. We went to his bedroom. On a pris le livre. We took that book. Frère. Brothers. Comment la Bible entre en vous? How come the Bible comes in you? C'est quand vous la lisez. Oh, vous lisez la Bible, it. Ce sont des écrits. Bible. Mais pendant que vous lisez ça, ça entre en vous. As you read it, it comes in you. Vous devenez la parole. You become the word. Et quand vous lisez le livre de magie, and when you read the book vous of vous intéressez magic, à ça. And you get interested passionné, in that. You're so passionné. En train d'admirer, d'apprécier. Admiring, appreciating. Mais tu étais en train de manger la magie. Written. You were eating up the magic. Et ça entrait en vous. And it's gotten you. Et si vous ne vous repentez pas de ces esprits-là, and if you don't repent yourself from those spirits, ça continuera à rester. It will carry ça on va bloquer la voie au baptême du Saint-Esprit. And it will block your way to the baptism même of si the vous Holy êtes un enfant de Dieu. Even if you are a child of God. C'est pourquoi that's why
Les gens viennent à Christ. People come to Christ. Peut-être que ce n'est pas vous qui les avez prêchés. Perhaps it's not you who preached unto them. Peut-être c'est une femme qui lui a montré la brochure. Perhaps it's a woman who showed him the brochure. Elle lui a pas prêché la parole de Dieu. And she didn't preach him the word of Mais God. Mais la personne vient à l'église. But the person comes to church. Prenons le temps. Let's take enough time. De temps en temps. Quite often, même si nous voulons prier pour le baptême du Saint-Esprit, even if we want to pray for the baptism of the Holy Ghost, d'exagérer, prendre toute l'église, instead of exaggerating by taking the whole church, let's take a group of people. Parlez avec eux. You talk to prenez them. Votre temps. Take your time. Parlez avec l'individu. Talk to the individual. Parlez avec l'individu. Talk to the individual. Jusqu'à ce que tu sens. Until you feel. Comme les prophètes le disaient. As the prophet said. Tout près du royaume. That is closer to the kingdom. Et vous prenez l'autre. Then you take the next. Et après, vous allez prier pour eux. And afterwards, you pray for them. Il ne faut pas être pressé. Don't be in Nous a avons hurry. Commis ces erreurs-là. We have made those mistakes. D'appeler tout le monde. Of calling everybody. Même les païens qui ne croient pas au message. Even the pagans who don't believe the message. Ils couraient dans la ligne de prière. They would run in a prayer line. Mais maintenant. But now. Nous devons maintenant changer de tactique. We need to change our strategies. Parce qu'on a fait ça. Because we've done it. On s'est rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. And we've realized that many people haven't received the Holy Ghost. Quelqu'un pouvait pleurer. Somebody might have cried. Il pouvait rouler. Or fall or roll. Mais il n'a pas été préparé. But he hasn't been prepared. La parole n'est pas en lui. The word is not within him. Parce que vous comprendrez par la suite. Because you will understand. Que le Saint-Esprit. That the Holy Ghost. Ne peut venir que sur la parole de Dieu. Can only fall on the word of God. Jésus était la parole.